Tellement il a été très bon, c'est Zouk, le numéro 5
Il tenait le ballon quand il fallait le tenir. Il donnait quand il fallait donner. Il gagnait du terrain quand il fallait le faire. Il a, ce jour-là, sorti le grand jeu avec aussi le remplaçant, celui qui a remplacé Moussa, qui est Mambala, qui allait au pressing, qui ménageait aucun effort pour contraindre les défenseurs adverses de faire monter le ballon. Il avait fait un match héroïque, son orgueil. C'est tout à l'honneur de l'entraîneur. Avec sa belle lecture du jeu, il a fait des changements vraiment importants. Il a préféré, puisqu'on était en minorité, il a préféré jouer dans la profondeur avec Mambala, qui a été époustouflant. Jour Bobo, la nuit à l'Ouani, une équipe qui a du cœur, une équipe qui a du caractère, une équipe qui, si tout va bien, sous Yalla Dimbalé, dara dugo mëna tié. Donc, ñu joggé fofu, ñu dem à l'extérieur, tassé ak wa Mbacké là-bas à Fatick. Un match très difficile dans la chaleur. Synthétique bien metti. Nous avons une très 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 bonne équipe. Une équipe joueuse, une équipe très physique, avec un numéro 10 vraiment extraordinaire. Nous avons bousculé l'aide, en fin de compte, nous avons contre leur camp. Nous avons mis temps, dès le suivant, nous avons mis le cher pour nous faire un atelier. Mais les enfants répondent encore et encore. Mambala a fait une belle incursion dans éliminer le gars Gwadi, Daniel Gomnek, au front. Puis le jeune Makode l'a magistralement mis au fond des filets d'un tir tendu en pleine lucarne. Et c'était l'apopéose. Mais malheureusement, ils ont réduit le score à la dernière minute, dans le football, bien sûr. Mais il y a eu un bénin calibre, un Oslo. On est académie, on est une équipe qui a bien joué ensemble. On est un joueur qui a mis dans les temps des jours de choix, mignon. Mais seulement joueur, ils ont un style. Contraster ce style, nous tenir leur tête. Nous avons un match très plaisant, un match où chacun pouvait gagner, mais avec notre état d'esprit et notre bravoure, les garçons s'en sont sortis. Mais aussi avec l'entraîneur qui a été intelligent, l'entraîneur qui a fait un changement quand il fallait le faire, et cet entraîneur-là a fait simplement un coaching gagnant, et ça c'est aussi pour à son honneur. Il peut féliciter Bouba. L'entraîneur, notre entraîneur actuel, malgré son jeune âge, a une très bonne lecture du jeu de ce quelqu'un qui, mashallah, est très intelligent. Il faut juger, nous devons recevoir Racine, qui était largement à notre portée, où on a vendangé, on a, par manque de chance, on a eu à rater beaucoup d'occasions. En première mi-temps, si on avait marqué 2 ou 3 buts ou même 4 buts, on n'aurait jamais crié au scandale, même en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, c'est en deuxième mi-temps que le jeune Moussa Diaw a marqué. Après une contre-attaque bien menée par Yaya, en une touche de balle, on a pu marquer ce joli but dans la conception. Ce jour-là, on devait gagner ce match-là, mais malheureusement, sur un ballon anodin, une main malencontreuse, nous sauver Niélé. Lors de football, il faut que nous mais il y a un seul moyen, contenu,
puis xalé yi imprimé dans sur ce match là lolu mo am importance bon vraiment ni sétan actuellement gendarmes ñep les observateurs d'accord même ni la gendarme cette année c'est du costaud machallah yalla nu yalla dafa ci buñ fa joggé ñu dem nak wara dajé le deuxième nga xamné buñ ko gagné rek dañuy jitu gaay yu bari da leen di distancer malheureusement les dieux du football en ont décidé ainsi. C'est pas faute d'essayer, mais c'est comme ça. Là aussi, on a vraiment maîtrisé le jeu, on a gagné les duels, on a imposé notre rythme, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer, même si on a eu ces occasions qu'il fallait mettre au fond. Donc, pour nous croiser, Marchi nous jouer, de nous jouer avec des équipes de calibre différent, mais aussi de style différent. C'est des matchs où on met l'homme, il y a toujours de l'union, un des fighting, un des bravoure, un des poison, un des vraiment le bloc qu'il faut pour ne pas, pour toujours contrôler le match. Toujours, tout n'est un match, on a la possession. À un degré moindre, tout il le mot, avons vraiment un équilibre contre Oslo. Vraiment, c'était presque équilibré, mais on avait légèrement le ballon, mais tous les autres matchs, sauf nous avons la possession, nous avons gagné au moins 70% des duels, nous avons gagné. L'élaboration du jeu, vraiment, on a une équipe très équilibrée actuellement. On a une défense intraitable, malgré quelques frissons lors du dernier match. Bon, c'était prévisible, parce que Rai, pratiquement, c'est l'une des meilleures attaques. Hein. Ils ont une attaque de feu avec le numéro 9 qui est extraordinaire. Ils ont cette attaque, on avait du mal quand même à les contenir, malgré tout ce qu'ils ont dit. Mais vraiment, c'est un match que les gosses ils se sont vraiment battus pour ne pas encaisser de but. Les latéraux, non latéraux, ils font actuellement un début de championnat extraordinaire, surtout Bilal sur le côté droit, qui est au four et au moulin, qui attaque, qui revient, qui défend, qui est vraiment un garçon à suivre. Ça contraste un peu le latéral gauche qui est très bon aussi, qui est très offensif, mais ils n'ont pas les mêmes qualités. C'est ce qui fait notre l'équilibre de l'équipe. On a un milieu de terrain qui au début bon, se recherchait, mais actuellement, bon, le milieu monte en puissance. Ils sont très complémentaires et vraiment, ils transmettent le ballon. Mais si le milieu de terrain, un homme, un jeune garçon qui est pétri de qualité, qui réfléchit pour tout le monde, c'est Zouk, le numéro 5. C'est un garçon à suivre, c'est un garçon qu'il faut véritablement donc voilà, que nous devons donner, parce que Jean-Marc a un meneur aussi talentueux depuis, je pense, Diallo, 2011-2012, depuis Bob Amou, ce genre de joueur. En tout cas, j'ai dit à mon fils, si je jouais dans cette équipe de la Jean-Marc, j'aurais exploité le maximum possible le talent de ce garçon pour pouvoir planter beaucoup de buts. Donc, sur le forcement, c'est sur les côtés. Il nous a mis force sur le côté. Quel est notre pays sur le côté? On a un garçon intenable qu'il faut vraiment polir. Oui, on a l'expérience de Rémi. Donc, pour Diakhané, c'est une équipe. Pour nous, Diakhané, encore une fois, c'est une équipe de signer plus Gap. Ce n'est pas le moment de penser au recrutement. Recrutement, Diotoukou. Tu peux y penser, mais n'en parlons pas pour l'instant. Arrêtons de parler de recrutement. Khalé, si le joueur, dès que nous sommes recrutés, mais tu es en train de le perturber. Lolo, c'est pas intelligent, quoi. Hein? Les dirigeants. C'est eux qui doivent protéger les joueurs, les dirigeants, c'est eux qui doivent protéger
notre équipe. Mais un dirigeant, le soir avec nous, il n'y a pas d'équipe, d'après l'entraîneur du Hong Kong. Mais il y a des gradins, des critiques, mais lol, pas bon. C'est pas bon. Donc, nous diriger. Diriger, c'est vraiment xalé yi dañu wara def comme sen dom. Ñom Gutenberg, les grands dirigeants, c'était comme ça. Joueurs, suñu leen gisee, ils se sentent en sécurité. Mais bu démé ba nga xamé da ngay critique bu joueur yi dégg la, di leen jëpp nga nek sen dirigeant, ça peut poser des problèmes. Nan leen japp ci équipe bi. Fim nek ni on tient le bon bout. Affaire équipe mono am li nga bëgg yépp, on n'a pas de tueur mais on a 6 buts hein. on n'a pas de tueur, ok, mais 5 matchs sur 6 on a marqué au moins un but. Pendant deux matchs on a marqué 2 buts, donc je n'en on n'a pas de tueur. Non, aduna mono am li nga bëgg lepp li nga am ngay démé match li nga am. Da ngay set ci biir groupe bi li nga xam ne amoko, nga jéema xool ki nga xam ne il a les prédispositions pour ça, nga defar ko ci. Il faut former des joueurs, il faut former des buteurs. Il y a des joueurs sûrement qui ont cette prédisposition dans l'équipe. Il faut les former, il faut les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être vraiment, vraiment performants en ce sens, marquer des buts. Mais vous voulez avoir des grands buteurs alors qu'on joue en troisième division. Vous croyez que les grands buteurs ils vont venir à l'agenda? Baye Diarra, Génération Foot, non, il ne faut pas se leurrer. Donc, dans les games, les dirigeants, nous devons watcher cette bombe. Def sen autocritique. Khol lu bax lu ñu def ñu téy ko ko fi ne ci. Khol li bon ñu tindi ko. Khol sen comportement. Nous devons def bloc dirigeant. L'encadrement technique, et les joueurs et les supporters, parce que là, on tient le bon bout pour sauver là. Si on continue sur cette lancée, Inch'Allah, nous n'avons rien. Maintenant, maintenant, par exemple, commencer à réfléchir pour le recrutement, sans en parler pour le recrutement de l'année prochaine. Par exemple, le 9 du Rail. Mais il faut commencer les démarches maintenant, en souterrain. Commencer, hold, suivre, quoi. Qu'est-ce que ça va donner, le suivre pour les autres matchs? Parce que des fois aussi, tu joues contre la Jana, tu es motivé, tu sors le grand jeu, après, il n'y a plus rien quoi. Il faut suivre ce numéro 9-là. Khol fum deug, commencer, waxtan, qui, cette nuit, de fois, on sait que ce n'est pas en deuxième division, parce que c'est un grand joueur. Hein. Donc, c'est ça quoi, je vois. Donc, je vous remercie, bon, pour ne pas être long, mang leen di gërëm bu baaxa 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 baax di leen sant di wax ne di ñaan yàlla mu defal ñu vraiment ñu am chance yeeg cette année parce que mën nañ ko bu si ñëpp jàppee rek yàlla dina ko def bu soobee yàlla. Mang leen di gërëm di leen sant ba beneen